Pour la main droite, ce qui m'intéresse pour la prochaine fois, ce sont tous les respirations, quand tu soulèves la main, quand tu piques, tous les gestes que tu vas faire. Ça, plus que encore le rythme ou le métronome, pour l'instant, ça ne va pas trop m'intéresser. D'ailleurs, j'y pense en même temps, je vais t'en rajouter un ici, comme ça, une petite flèche. Voilà, pas plus. Et ça, en fait, tu vas faire un petit mouvement avec le bras pour amener cette noire. Ici, en fait, c'est Ré, Mi, Fa, Sol, La. Et toi, tu vas faire ça. Ré, Mi, Fa, Sol, La. Voilà, comme si le bras voulait soulever au fur et à mesure les notes. Fa, Sol, La. Comme ça. Voilà. Donc, je le refais au début. Donc, le La au début. Ok, le triolet. Après ce triolet, je soulève déjà. Je soulève aussi. Et maintenant, ces noires, ces doubles notes, elles vont être piquées. Je soulève également, je vais me placer. Encore une fois, on a les noirs piqués, ce sont les mêmes. Et là, c'est là qu'on a ce fameux geste-là hein, qu'on a rajouté. Ré, Mi, Fa, Sol, La. C'est le mouvement du bras hein, qui fait ça. Et maintenant, c'est piqué. La blanche pointée, trois temps hein, au passage. Le Mi, un, deux, le triolet. Je soulève. Je soulève aussi, j'arrive ici sur le sol, Mi, je soulève aussi, et là je fais attention au doigté pouce et puis également au rythme. Je soulève. Voilà pour l'instant pour la main droite. Ensuite on a vu la main gauche. La main gauche, donc on commence en liant le son, attention au fa dièse hein, dès le départ. On soupire, on soulève. Mais là, quand tu vas soulever, méfie-toi de bien rester sur la même position. Pourquoi ? Parce qu'après, tu as besoin du sol avec le deuxième doigt qui va arriver justement et qui va être piqué. Attention, tu te déplaces sur le La, ici en bas. Soupir, donc on lève la main. On se replace comme on avait, la position hein, qu'on avait au départ. Et c'est la même chose. Sol, La, La, Ré.